Angela Merkel est arrivée ce dimanche en Turquie pour une visite de 2 jours. Un séjour axé principalement sur le conflit en Syrie et le processus turc d'adhésion à l'Union européenne. La chancelière allemande s'est rendue dans le sud de la Turquie, notamment à Kahramanmaraş, où sont mobilisés 300 soldats allemands, ainsi que 2 batteries de missiles solaires Patriot. Les Pays-Bas et les États-Unis ont déployé chacun 2 batteries similaires. Ankara a sollicité ce déploiement auprès de l'OTAN après une série de tirs d'obus syriens qui ont touché des localités frontalières turques. Des tirs qui ont fait 5 morts parmi la population début octobre.